Alors, il est vrai qu'on parle souvent de l'importance de la lecture. Et euh, le verset fondateur euh, que tout le monde connaît, Hirkhra, que l'on rabâche, rabâche pardon, à longueur de journée, est quelque chose qui est évidemment connu de tous. Mais il y a un constat qui est plus ou moins affligeant, c'est de constater à quel point nous sommes, pour beaucoup d'entre nous en tout cas, éloignés de la lecture. Alors quel que soit le support d'ailleurs, bon, même si nous sommes à l'époque du tout numérique qui peut expliquer en partie le désintérêt pour la lecture, elle n'explique pas tout cette époque numérique-là. Et donc on voit bien que la nourriture dont nous avons besoin en tant qu'être humain et plus particulièrement en tant que croyant, elle passe forcément par la lecture et nécessairement, je dirais, par la lecture. Et la lecture, elle renvoie aussi à ce qui est écrit. Et la notion d'écriture elle est fondamentale pour quelle raison Tout simplement parce que la révélation coranique, on le sait, c'est une révélation certes orale, mais qui tire aussi son origine de cette Consignation par écrit dans la table gardée, Allahu al-Mahfoud. Et ça, il faut pas l'oublier. Et nous avons deux scribes, Kiram al-Katibin, hein, donc ces nobles scribes-là qui consignent par écrit nos actes. Donc on voit bien que l'écrit, la lecture sont deux piliers fondamentaux de notre pratique spirituelle, et de, je dirais même de nous en tant qu'êtres musulmans, en tant qu'êtres humains. Et partant de ce constat-là, nous avons besoin de nourrir nos âmes, nous avons besoin de nourrir nos esprits, évidemment, parce que la lecture, ben, elle permet d'accéder à un certain nombre d'horizons, elle permet certes de se cultiver, mais avoir un ensemble de connaissances euh, n'a d'intérêt que si nous sommes en mesure de les mettre en pratique, ces connaissances-là. Et n'oublions pas que l'islam est avant tout, certes, une, nous appelle plutôt... À un ensemble de savoirs acquis, donc il faut acquérir un certain nombre de connaissances, mais ces connaissances-là, l'acquisition de ces connaissances, elle doit nous amener à les mettre en pratique de manière à vivre sereinement euh, notre spiritualité. Et si vous ne lisez pas, ben forcément, vous allez ignorer énormément de choses. Ou si vous ne lisez qu'un certain nombre, je dirais, d'ouvrages, donc vous allez forcément réduire votre champ voyez, de vision et votre analyse va s'en trouver aussi. Euh, fortement euh, impacté. Alors c'est la raison pour laquelle euh, de plus en plus de jeunes éditeurs, alors quand je parle de jeunes, je ne fais pas forcément référence à l'âge non plus, mais de jeunes maisons d'édition proposent depuis quelques années un certain nombre d'ouvrages qui qualitativement parlant sont beaucoup mieux que ce qu'ils se faisaient il y a déjà, je dirais, une vingtaine d'années. Je ne parle pas des précédents ouvrages de langue française traitant d'islam, euh, qui étaient d'ailleurs très rares, mais qui étaient d'assez bonne facture, généralement, euh, soit parce qu'ils étaient le fait euh, d'un certain nombre d'érudits, ou en tout cas de gens qui avaient une maîtrise réelle de leur sujet. On a connu une période, je dirais, un petit peu moins faste, avec énormément de, de, de parutions qui étaient de piètre qualité, tant au niveau de la qualité du français, que du contenu, et notamment au travers de traductions qui pour certaines étaient vraiment calamiteuses. Et depuis, nous avons un regain, et ce regain-là, il est salutaire pour tout le monde. Il est salutaire, évidemment, pour euh, le musulman qui souhaite, euh, comment dirais-je, se cultiver. Il est salutaire pour ceux qui s'intéressent, qui ne sont pas musulmans, mais qui vont s'intéresser à l'islam. Et il est important que les maisons d'édition, chacune, je dirais, selon sa sensibilité, euh, apportent, évidemment, euh, des ouvrages qui vont contribuer à... Élargir le champ culturel, à comprendre historiquement, par exemple, ce qui, fait, ce qui a fait l'islam, ce qu'il a construit, quels ont été un petit peu les, euh, les aléas, finalement, de l'histoire, pourquoi sommes-nous arrivés dans certains, un certain nombre de pays à être aussi éloignés des préceptes islamiques qui, pourtant, avaient fait de la civilisation islamique une civilisation qui était une civilisation rayonnante. Et il est important, donc, évidemment, d'accéder par la lecture à ces connaissances-là. Je terminerai par dire que finalement, euh, la notion de nourriture, comme je l'abordais précédemment, elle est fondamentale parce que euh, dans euh, l'éducation, le mot éduquer, au sens euh, antique du terme, ça signifiait nourrir. Et on retrouve aussi euh, dans la langue arabe, au XIe siècle à peu près, donc euh, une même définition, euh, la notion de, de Réda, donc vous voyez, de, de nourriture, qui est fondamentale. Donc, on éduque. Par la lecture, on va nourrir par la lecture aussi, c'est fondamental. Et cette nourriture-là, elle est vitale pour notre âme, elle est vitale pour notre esprit et elle est vitale surtout pour notre salut.